Heureux de te rencontrer. Tape ton nom ou cherche-le dans la liste. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravi ce jour de nous retrouver pour un petit rétro sur M&M's, les formules perdues, un jeu sur lequel je ne suis absolument pas sponsorisé par M&M's évidemment. Un petit jeu assez assez spécial pour l'époque, je dois dire. J'en ai de très très bons souvenirs. Des cinématiques assez drôles. Je crois que c'était un bon coup de pub pour l'époque. J'ai réussi à configurer ma manette 3-6 sur le jeu. Alors ce jeu, comment vous le dire, ça regroupe essentiellement c'est essentiellement un jeu de plateforme sur une grosse partie de jeu. Sauf la première partie et sauf deux parties où il s'agit en fait juste de contrôler comme si on contrôlait une voiture, comme un jeu de course, on va dire. Voilà. Qu'est-ce que je peux mettre en option? Parce que j'ai pas encore trop réglé. Je vais baisser le volume sonore, par contre, parce que c'est extrêmement... Voilà, je vais juste un poil le son parce que c'est en train de me défoncer les oreilles. Je vais vous laisser avec la petite cinématique de début et puis je vous retrouve juste après. Je pense que pour ce rétro, je vais juste faire le monde 1, laisser la cinématique du monde 2 et puis on va s'arrêter. Je crois qu'il est aussi sorti sur GameCube, mais il faut que je vérifie. Bref, c'est parti. Mon petit jaune, c'est le moment de donner à ces M&M un peu de RR. RR, c'est un nouveau bonbon. Ils ont l'intention de nous éliminer. Allez, mon gars, on part en vacances. Allez, viens. Une dernière chose avant qu'on se dise arrivederci. À qui as-tu confié l'usine de billes en chocolat? Allô? À qui? Qui ça? Hein? Tu deviens tout rouge. Répète après moi. Je n'ai pas confié la direction de l'usine au M&M Mini. Ah! Ton chocolat a fondu ou quoi? Tu es complètement fêlé? Les Mini ne sont pas si méchants. Ils ont juste besoin qu'on leur laisse une chance. Et toi, tu as besoin d'une greffe de cerveau. File à l'usine et plus vite que ça, hein. Il y a une mutinerie de mini et ils ont volé les formules de toutes les billes de chocolat M&M. Il faut arrêter ces mini et retrouver ces formules. File. Je peux dire adieu à mon collègue. Et à ma carrière. De très très belle musique aussi. Cette cinématique m'a vraiment marqué au début, vu qu'à chaque fois je recommençais le jeu parce que j'étais gêné con. Et direct, nous sommes dans la première partie du jeu où il s'agit de contrôler Jaune, car ce sera avec Jaune qu'on va jouer. Il n'y a pas moyen de jouer avec le rouge. Donc la première phase, c'est d'arriver d'un point A à un point B en récoltant des M&M's, comme vous voyez. Les caisses bleues redonnent une vie, en gros. Je peux, avec une touche, booster sur une courte distance. Enfin, je peux me donner un petit coup de boost sur une courte distance. Vous voyez en haut à droite ma vie, le nombre de M&M's en haut à gauche.
Alors bien sûr, tout dans le jeu veut votre mort. Que ce soit les lampadaires, les trous, un petit checkpoint comme ça qui arrive au pif. Mais surtout, ce qui va vous, ce que vous allez retenir du jeu, c'est la musique. La musique dans ce jeu colle à l'action. La seconde partie du jeu, j'aimerais en parler un peu plus. Ce sera essentiellement donc de la plateforme. Il y aura une très grosse référence à Crash Bandicoot. Peut-être que si j'ai la foi, je ferai un petit une petite aventure dessus, mais ça m'étonnerait que ce soit super intéressant à regarder. Mais c'est très fun à jouer. Quoi d'autre à dire? Oui, sur chaque niveau 2 des 8 mondes, on va appeler ça. En gros, raté. Sur chaque niveau 2 des 8 mondes, c'est un niveau de logique, de calcul. Donc du coup là, votre esprit sera mis à rude épreuve et il vous faudra résoudre des calculs. Et ouais, ça rigole pas. Donc là, faut que je fasse gaffe au camion. J'aimerais bien avoir le checkpoint. Je ne sais plus s'il y a différentes difficultés sur le jeu. Il me semble qu'il y a... Bah non, qu'il n'y a qu'une seule difficulté. Il y a juste la difficulté pour un niveau mat. Et c'est tout. Oh putain, cette musique. Ah, ça rappelle des souvenirs. Alors attention. Maintenant, sur la gauche. Oui, je l'ai eu. J'ai dépassé le camion. Alors les hitbox du jeu sont vraiment pourraves, faut le dire, faut dire ce qui est. Oh oui, donne-moi la vie, parfait. Le coup de boost. Donc là, ce que vous voyez par terre avec les flèches bleues, c'est des petits légers boosts. Alors évidemment, énormément de références à... Ah, M&M's, le premier niveau, le premier monde, c'est juste de la voiture. Et le second se passera dans l'enceinte de la fabrique de chocolat M&M's. Voilà, j'avais oublié que tout dans le jeu voulait ma mort. Ce n'est pas grave. Autant les bâtiments que les pancartes, que les voitures, que j'ai failli m'en prendre une. Quand même essayer d'aller un peu vite, j'aimerais vous montrer autre chose que de la voiture. Le dernier stage, le dernier niveau de la voiture est franchement un des meilleurs. Hop, on serre. Le checkpoint qui était pas loin. Ah, c'est dommage. Heureusement, le checkpoint était là, était lucide. Alors oui, alors là ça va être extrêmement dur. Les carrefours sont un ennemi pénible du jeu. Il faut doser comme il faut. Genre j'ai le checkpoint. Je sais pas comment j'ai fait, j'ai le checkpoint, j'ai fait des pompes la voiture. Par contre, le jeu en peut plus, il est en train de cracher tout ce qu'il a. Oh putain. Le jeu est en train de cracher tout ce qu'il a, j'ai des petits drops, des ralentissements énormes. Et surtout un petit ralentissement quand il doit boucler la musique. Alors oui, les camions, ça saute des... ça saute comme ça, hein. Ça n'a pas de logique. Oh oh oh, cette esquive. Allez motard. Allez motard à la con. Oh les salauds. Vite, dépassons les motards. Alors là, les motards sont plus vite que moi. Sauf si je donne des petits coups de boost de temps en temps.
Et normalement, si je me souviens bien, je devrais plus être très très loin de la fin de niveau. Hop. Ah, c'était débile ça. Ah, je me sens sale d'un coup. Voilà. Et alors là, le dernier. Est-ce qu'il passe? Est-ce qu'il... Raté. C'est le dernier carrefour avant la fin, celui-là. Est-ce qu'il va passer seulement? Va-t-il seulement passer? C'est une question. Faut utiliser le boost au bon moment. J'ai envie de dire que sinon, voilà. J'ai envie de dire que sinon, c'est la base. Alors maintenant, j'ai pas envie de mourir. Là, une vie. Une vie gratos. Peanuts. Oh, oh. Et c'est la fin du stage, normalement. Voilà. Et voilà, donc là, c'est le chargement de la zone mathématique. Et là, épreuve de réflexion. Je pense que c'est le là où on va perdre le plus de vie que dans le niveau 1. Et la musique a changé. Oh, 2 vies gratos, parfait. Merde, 36, ça fait 9. Putain, je l'ai vu en retard, le panneau. 8 par 4, il est où le 2? Non. Ça fait 4, ici. C'est vrai, je pense que là, c'est dur. C'est dur pour moi. Un checkpoint, c'est le GG, j'ai 10 vies. Tout va bien. Je gère pour l'instant. 6. Ah, par contre, je vous invite à profiter de la musique. Peut-être des meilleures musiques des jeux de cette époque. Putain, 8. Oh, j'ai eu peur. 5. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est des animaux en 2D. 7. Putain, c'est entraînant. Merde, le 1. Putain, le virage à la con. Virage de mes... Non, mais putain. Ah, par contre, la musique, voilà. La musique reboucle. Avec difficulté. Putain, t'es sérieux? Sérieusement, le jeu? 7. Putain, c'était 6. Non, c'était 8. Oh là là. Oh là là, ça y est, c'est la déchéance de mon cerveau. Mon cerveau est en train de décéder. Le cerveau décède. Le 3 ici. Ça va, je maintiens. Putain, j'ai failli le rater. Et nous voici déjà à la fin au dernier stage du niveau 1. Chargeant, alors c'est zone de début, zone mat, zone fin. Et la zone fin est très belle. Elle est longue, intense, mais putain, ça vaut le coup. Et je me rends compte en regardant que putain, je suis déjà à peu près 14 minutes. Je me disais que ça allait prendre un peu plus de temps, mais en fait non. Alors je peux faire kéké, hein, je peux aller n'importe où. Alors là, je me souviens qu'il y a une stratégie. Non, pas cette stratégie. En fait, il faut bourrer le boost à cause d'un passage. Un passage de la hantise. Voilà, déjà j'aimerais récupérer ça. Attention. Voilà. Je sais qu'il y a un passage de la hantise à ce, par là. Voilà, là il faut dépasser le c'est un camion, ouais. Voilà, parce que vous avez trois normalement il y a 2-3 camions qui arrivent et c'est super chaud. Faut regarder les décors aussi qui sont très très beaux. Ah voilà, alors attention, là ça va être magnifique.
ça à l'époque c'était vachement beau. Pour moi ça. Tu me mettais n'importe quel autre jeu que Eminem's, je disais que c'était moche. Et c'était que en 2001. Et alors évidemment la petite déviation, le passage Indiana Jones. Avec le pont qui s'effondre. Wop putain. Et là on est dans les cavernes. Le Zenocho passage Indiana Jones. Alors là, évidemment. Faut aller serrer à droite. C'est intense. Je m'amuse comme un petit fou. Ah je vous le dis. Ah et cette musique. Donc la deuxième petite déviation, le petit passage Indiana Jones avec le pont qui s'écroule. C'est tout tranquille, c'est tout mignon. On serre à droite parce que nous ne sommes pas dans un GTA, il faut aussi respecter le code de la route. Comme marcher ou mieux, comme aller sur... Oh le magnifique arc-en-ciel. Ouh le boucle de la musique qui a du mal. Je ne sais pas pourquoi quand la musique le boucle, ça a beaucoup de mal à se faire rapidement et ralentir. Ça fait ralentir un peu le jeu. Enfin bon. Putain, je suis à 19 vies. Ce pont là. Ah je m'en souviens plus bien. Oh, hélas. Oh ce jeu de l'amour, ce jeu du swag. Je suis un petit enfant. Et vous savez quoi, je ne sais. Je n'ai pas été sponsor par Eminem's, mais j'ai bien envie d'en avoir. Ah le welcome, ça veut dire qu'on est à la fin là. Ah là vous l'avez, reconnaissez les statues. Sauf que ça va être chiant. Voilà, parce que hop, on saute par dessus, il faut faire ensuite le tour de la fontaine. Et là je lâche ma manette, j'ai fini le premier stage. Oui, cinématique normalement. C'est parti. Attends petit gars, faudrait peut-être voir qui est le meilleur bonbon pour ce boulot. Faudrait peut-être mieux qu'un vrai expert s'en occupe. Un fonceur. Non, en fait, t'as raison. Vas-y, toi. Souhaite-moi bonne chance. Les miracles, ça arrive. Tous les jours. C'est connu. Tu sais. On est fait. Et voilà. Donc, j'ai quand même continué. Voilà, petite cinématique encore. Oh non, les mignons fichus lapagaille dans le chocolat au lait. On est dans un sacré pétrin. Les mignons fichus lapagaille dans le chocolat au lait. C'est toi qui es dans un sacré pétrin. Voilà. Et c'est sur la musique donc du premier niveau, enfin du premier stage du niveau 2 qu'on va se laisser. J'espère quand même que ce jeu vous aura plu. Je crois qu'il est. Alors est-ce qu'il est dispo sur Rome Station? Je ne sais pas. Est-ce qu'il est dispo en freeware? Je ne sais pas non plus. Alors je vais quand même vous montrer pourquoi ce jeu fait une petite référence à Crash Bandicoot. Voilà, juste comme ça. Je veux dire est-ce que ça rappelle pas Bandicoot au plus jeune joueur que vous êtes? Une petite inspiration Bandicoot. Bref, merci à tous d'avoir regardé ce petit rétro. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires 2-3 choses. La première, est-ce que ça vous plairait que je fasse le jeu en entier? Que je découperai en plus en... Vu que là j'ai mis à peu près 20 minutes pour faire un niveau. En 3 parties ça devrait être bon. Si vous voulez que je fasse le jeu, si vous avez des idées de jeux rétro à me proposer et des fan games à me proposer, je verrai ce que s'ils sont moins intéressants et peut-être les proposerai-je. Merci à tous encore une fois d'avoir regardé. N'oubliez pas comme d'habitude de liker, de commenter, de partager la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'aller regarder les autres vidéos. Bon jeu et à la prochaine.